Bah, il me semble que Rin donc, et voilà. Sugimoto On était prêts à rentrer, donc... Bon. Sugimoto et Rin voulaient rentrer en avant d'abord, il me semble. C'est ça. D'accord. Moi, du coup, je les suis. Moi, je... Vous voulez vraiment rentrer dans cette salle, hein. Tu veux qu'on fasse quoi d'autre que rentrer dans cette salle? Non, mais je veux dire, t'as foutu ton token en dehors. Non, mais attends, je vais pas laisser Rin passer devant, quand même. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez... Bah, techniquement, on a toutes les deux une bonne défense, donc... Oula... Oh bah, ça va vite être réglé. Je sais plus, j'avais remis une charge sur mon bouclier. Je crois pas. Bon bah, je vais mettre la magicienne à la place, comme ça, ça sera fait. Non, attends, l'attaque pas d'abord, on sait pas si elle est pacifique ou pas. Si elle est hostile. Oh, est-ce qu'elle est plutôt de tendance suicidaire? Alors, bon, là c'est parce que j'ai bute dessus, mais en fait, vous rentrez donc dans cette salle de contrôle qui est très grande, c'est de loin la plus grande salle sur laquelle vous êtes rentré. Enfin, non, les salles du réacteur étaient aussi très grandes, mais là aussi c'est une très grande salle. Il y a un îlot central au milieu, c'est un îlot central. Et sur les côtés, donc la salle continue. Il y a une belle hauteur, il y a une belle hauteur sous plafond et tout ça pour seulement. Enfin voilà, c'est très grand. Donc vous pouvez voir des passages sur les côtés, un îlot central et ici, il y a une personne qui semble être donc habillée comme une des pyromancières qui est en train de regarder les écrans. Elle se retourne, elle vous voit. Je lui fais coucou avec mon bouclier qui est encore taché du sang de Sega. Et juste elle crie alerte! Ils sont là! J'aurais voulu dire salutations, mais bon. Est-ce qu'on peut lui répondre que ça sert à rien de crier alerte parce qu'on a déjà bolossé tout le monde? Ouais, je pense que ça vaut pas trop le coup. Je pense qu'ils nous croiront si on leur dit qu'on a déjà buté leur boss. Ah, fallait pas dire. T'as le truc. Donc là, il y a une arme. Il y a une arme qui résonne. Et ça commence à s'agiter derrière. Vous voyez qu'il y a des techniciens absolument partout dans cette salle, qu'il y a des gens vraiment de partout, fourmis. Effectivement, il y a beaucoup de gens. On ne voit toujours pas ce qu'il y a sur l'estrade. Je pense pas qu'on veuille être là. Bah non, parce que l'estrade, elle est en haut. Ah oui, elle est si haute que ça, d'accord. Bah, elle est assez haute pour que vous voyez pas ce qu'il y a. Ah, on peut voler. Oui. Faut bien l'utiliser de temps en temps, il a dit qu'il y avait une bonne hauteur sous plafond. Ouais, non, c'est ça. Ça sert à rien de savoir ça, d'accord. Cette estrade, on dirait une piste de danse, quoi, en fait. Ça se trouve, ils veulent pas nous dire, mais en fait, c'est leur discothèque. Ouais, c'est ça, parce que t'as un gros espace vide. Tu sais, je vois bien, on sort, on devra pas vraiment se tromper, on pensait pas que c'était la discothèque. And this is really my night. Oh non, yeah. Oh yeah. Tu sais, ils font descendre une boule à facettes et puis il y a de la musique disco qui passe pendant tout le combat. Et bah, ça tombe bien parce que. Sur le ring. Attends, je voulais tenter. Enfin, je voulais tenter de dire un truc du style. Bon, on a déjà vaincu Itsuka Hiro et les sœurs Chikaku. Non, pardon, les frères et sœurs Chikaku. Tous ceux qui se rendront maintenant, je leur promets de pas leur briser le cou. Les gardes qui commencent à rappliquer disent ouais c'est ça comme si on est c'est ça on vous croit vachement on va plutôt vous arrêter ici.
Et là, et pendant ce temps-là, tous les techniciens... oh putain, j'ai beaucoup trop... beaucoup trop de totems de techniciens. Tu fais une grande sélection et tu fais super. Faut imaginer qu'ils s'en vont au fond de la salle. Ouais, faut mieux que les non-combattants partent, effectivement. tu sais quoi, je vais les supprimer, ils s'en vont. Par où ils s'en vont? Genre, ils appuient tous sur le bouton à côté de leur écran, ça ouvre une petite trappe à côté et ils se font un pas de côté pour rentrer dedans. C'est en mode super coordonné, tous en même temps. Eh, on a le droit de bouger, nous aussi, si les gardes... Ils sont entraînés, mais... je veux dire, il rapplique... Enfin, du coup, lui, ça avance pas autant, mais... Il rapplique... Après, ils ont rappliqué en entendant l'alarme, ils ont rappliqué en t'entendant, donc... Bon, tant qu'il n'y a pas encore d'attaque... Moi, on m'a dit de pas attaquer. Donc bon... Visiblement, les autres ont l'air d'être du genre un peu plus pacifiste. Bon, moi, je suis pas contre, hein. Je veux dire, autant essayer si on peut, je suppose. Bah, là, je pense que la pyromane, enfin... je vois pas pourquoi on serait pacifique là, vu qu'ils veulent nous attaquer. Bah, je pense qu'ils ont rendu ça assez clair, hein. Moi, je vais me déplacer derrière la porte, ici, pour avoir un angle de tir, mais qu'on puisse pas me toucher non plus. Bah, si vous attaquez pas, les gardes se rapprochent, hein. Bah, du coup, je vais dire à Sugimoto. Ah, c'est reparti pour un tour. Bon, Sugimoto, attends, tu prends la droite. 2, 3, et je vais me déplacer. 4, 5, 6, 1, 2, 7, 8. Ils sont 8. Je vais me déplacer. On est 5, ils sont 8. Ça va. Moi, t'aurais pas dû choper ta lettre. Ouais. Okay. Et moi, pour ma part, c'est avec plaisir, bien sûr, que je commencerai avec une charge démonique sur cette pauvre magicienne. Bah voilà, c'est ce que j'attendais. Si jamais on me dit de commencer les festivités, moi... Ah bah, c'est elle qui les a commencées, ouais, techniquement. Hein, Elle a pas attaqué encore. Ah, vas-y, elle tu a sais donné quoi, l'alarme. Je vais être bon joueur. Je vais attendre qu'elle m'attaque. je vais m'approcher en mode... Vas-y. Vite les tokens. Donc, Rin, c'est à ton tour. Je vois que tu t'es déjà avancé. C'est ça. Bon, bah, c'est la fin de ton tour. Non, bah, je commençais avec une attaque magique. D'accord, c'est très bien. Tu peux, il n'y a absolument aucun problème. Il est à distance normale de toi. Hein. Deux. Tu laisses deux. Voilà, c'est parfait. Juste pour savoir, on a combien de mana chacun? 0. Ah. 12. Ok, c'est bien ce que je pensais, oui. Vas-y, décris-moi, c'est quoi ton projectile magique? C'est un... Putain. Une onde de choc devant, quoi. D'accord. Donc vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. Alors... Dégâts magiques de base... Donc tu lances donc ton attaque magique, ton onde de choc aérienne, ta lame de vent qui tranche de part en part le magicien qui a essayé d'esquiver mais n'a pas réussi. Ta lame a été trop rapide, enfin ton attaque a été trop rapide pour lui. Et tu n'as pas du tout 5 d'agilité. Fuck. C'est donc à ton tour, Sugimoto, tu t'es avancé, est-ce que tu maintiens ce que tu m'as dit avant le début de l'ordre des tours, c'est-à-dire attendre que la pyromancienne agisse? Ouais, allez. Pour l'intimidation. Ok, Varushka. Je vais lancer un projectile, enfin je vais tirer avec mon fusil sur celui-là. Ok, très bien. Du coup, tu te poses sur l'épaule de Satori. Non. Enfin, je bouge un peu, mais enfin, je vais de ce côté, puis je tire. Allez. Ça peut être important en cas d'échec critique. Hein. Mais, bah, je me mets de ce côté, et puis voilà. Allez. Et vas-y. Encore non.
Ok, bah c'est une attaque réussie de façon parfaitement normale. Je sais pas pourquoi tu t'es mis 70 par contre. Bah j'ai rien changé pourtant. Bizarre. Et ouh. Et donc tu tires donc la tu te places donc de l'autre côté du mur. Tu te places à côté de Satori. Tu braques ton arme, tu tires. Mais en fait, c'est mal coordonné avec Rin qui attaquait en même temps, et donc, alors que le garde était en train d'essayer d'esquiver l'attaque de Rin, il se prend l'attaque de Rin, mais par contre, il parvient à esquiver ton attaque, mais de justesse, ça... Ouh, ça lui enlève presque sa capuche. il en perd quelque chose. Ça va prier, là. Est-ce qu'on voit sa tête, du coup? Est-ce qu'on voit son visage? Il a un visage tout à fait banal. Est-ce qu'il a une moustache? Il n'a pas de moustache. Oh, est-ce qu'il a... oh c'est pas rose. Vas-y, Ringo. Moi, je m'avance un peu vers là et je lance une attaque magique sur celui-là. Attends, je vois pas ton. Ah oui, c'est le truc du bas. Celui-ci. Ok, très bien. Donc, vas-y, fais-moi ton attaque magique. On va dire distance 4. On va voir ce qu'il fait de son côté. Donc vas-y, fais-moi tes jets de dégâts. Du coup, tu lances ton Zanmaku en forme de dango sur donc le lancier qui est là-bas, qui ne voit pas du tout l'attaque, qui ne voit pas l'attaque venir. Il n'est pas vraiment concentré sur toi. Il était plus concentré sur, l'Oni avec un bouclier de la taille d'une porte. il se prend ton attaque, dévoilant lui aussi presque son visage. Non, on va arrêter avec ça. Sinon, vous allez croire qu'il y a un vrai visage derrière. Non, ils n'ont pas de moustache. Et je me disais, quoi, t'as 4, tu n'as pas 4. C'est n'importe quoi. Donc les miliciens vont répliquer. Alors lui, il a le temps donc de se rapprocher de toi, Rin, et donc de te faire une attaque physique. C'est absolument incroyable. Peut tenter une esquive. Ça passe. Et ça passe, tu esquives avec toute la grâce d'une Kirin, que évidemment personne ne connaît ici, mais tu esquives merveilleusement bien en mettant ton corps de côté, tu esquives la lance sans aucun problème. Parce que maintenant tu peux voir son visage, ça l'énerve. l'autre, il va passer son tour à se rapprocher. Celui-là aussi, il est trop loin pour toi, Rin. Ah, quoique non, il est pas trop loin parce que il a une lance et donc il peut tenter De transpercer son camarade pour. non, lui il fait rien. Et lui il peut tenter de. Toucher Ringo. Oh. Ouf. Oh. Oh merde. Ah, il a déjà touché. Alors, ce qui se passe donc, c'est que effectivement, il fonce vers toi. Une fois qu'il t'a remarqué, il fonce vers toi. Lui aussi, il est vénère. Hein. Ils sont tous vénères en fait. Il fonce vers toi plutôt en fait que d'utiliser sa lance telle qu'une lance devrait l'être, il se dit tiens, et si je la jetais tel un javelot. Et donc il balance sa lance, littéralement il projette sa lance vers toi, Ringo, qui t'encastre et qui te touche et qui t'encastre contre le mur. Et du coup, alors juste pour vérifier combien ils ont de force, oui, normal. Et du coup, tu te prends 7 moins def. Putain, 7. Ah, ça fait mal.
Moins def, hein. T'as quand même le... Oui, sauf que j'ai que un de def, donc... Oui, bon, après, tout est relatif. celui-là passe lui aussi son temps juste à se rapprocher, en faisant un pouce en l'air à son camarade. les pires anciennes. Celle-là, elle est légèrement paniquée, on va dire. Mais elle tient bon. Elle respirait fort, elle était un peu paniquée, mais elle reprend son souffle et elle se décale et lance une attaque magique sur toi, Sugimoto. À voir si ça passe. Je vais mettre distance. Non, pas distance, 23. Et ouh! Oh, putain. Pas troll. J'ai vu que c'était un chiffre, je me suis dit, oh non, pas encore. J'ai perdu les dés lancés en revanche. Moi non plus. Je crois qu'il a pas mis les jeux. Ouais, c'est, ah, c'est, si, 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 ouais, si. C'est peut-être. Ouais, non, j'en sais rien. C'est pas grave. Ok, je peux donc faire mon esquive. Évidemment. Voilà, c'est tout. Oh, voilà. C'est pas une excès de la filière castrée dans le mur. Alors, il se passe. J'annule sa boule de feu juste avec un mouvement de mon bras et de mon bouclier. C'était une bien tentée. C'était un mauvais calcul de la part de la magicienne. C'est ça, mais en fait, Sugimoto, tu refais quelque chose que tu as déjà fait plus tôt dans un précédent combat. C'est-à-dire, mais en fait, ton bouclier est bien utilisé, il peut réfléchir les projectiles. Et donc, tu donnes un grand coup de bouclier dans la boule de feu. Qui est complètement dévié. Est-ce que je peux le renvoyer sur celui-là qui vient d'attaquer Ringo? Et justement, il est complètement dévié. Alors, attends, je vais faire. Et donc la boule de feu est déviée sur celui-là qui venait d'arriver. J'ai lancé pile ou face. Oui, je sais. Tant pis pas. Je fais un haut en mode Sugimoto. Elle est déçue. Elle visait l'autre, quoi. Bah, après, celui-là, il a déjà quelques gouttes de sueur, je pense. Et du coup, je vais devoir faire des dégâts magiques. Alors, c'est vrai que je sélectionne le token là. Pour son camarade, c'est génial. C'est pas dégueulasse, mais c'est quand même pas mal pour. En réponse à ce qu'a fait l'autre garde tout à l'heure, je fais un pouce en l'air à Sugimoto. Et alors que t'es empalé avec la lance. Cette pure ancienne. Ah, calme-toi, Varouchka. Non, je calcule. Je peux agir du coup. Non. Ou tu veux qu'on fasse ça après le tour des... Ah oui, c'est vrai, tu voulais agir, oui, effectivement. Oui, voilà. Bon, bah effectivement, je vais lui montrer ce que c'est une vraie attaque. Et là, échec critique. Putain, non, non, dis pas ça. Oh là là, merde, oh là là, t'as-tu la call. Attention. Juste, je demande l'autorisation à mes chers camarades d'utiliser la réserve liée. Vas-y, de toute façon, on va tous l'utiliser. D'ailleurs, je vais vous... Ah non, pas moi, j'en ai pas besoin. J'ai peur. Voilà, elle va... c'est pas le bon. Elle va finir plantée dans le mur, je pense. Je vous ai mis Yugen Magan en bas. Voilà, hein. Ça, on sait. Merci. Ouais, c'est comment ça. Oula, Sugimoto, tu pourrais faire moins mal. Elle s'est éloignée, ça m'a permis d'utiliser charge démonique, car à la base je m'étais rapproché et je me suis dit, oh quel dommage, je vais pas pouvoir utiliser charge démonique. C'est pour ça en fait que je l'ai juste laissé partir en la regardant, c'est en mode, fuis tant que tu peux encore. Donc du coup, avec ton bouclier encore brûlant de la boule de feu que tu viens de renvoyer, tu charges la pyromancienne qui s'y attendait pas que tu la charges comme ça d'un seul coup. Elle essaye de reculer, mais tu la rattrapes et tu l'envoies 20 dinguer en l'air. Elle fait un salto merveilleux et termine au sol.
Alors, tu l'as pas one shot, mais. Bah, disons que si vous pouviez voir sa barre de vie, ce serait marrant. Putain, un PV. Bah oui, ils ont un de défense et 12 points de vie, donc. Ça me surprendrait même pas, en vrai, que ce soit réellement ça. Et maintenant, pourquoi il me dit qu'ils ont 7 c'est n'importe quoi. Alors oui, c'est vrai, il y avait celle-là qui devait agir, qui va du coup se rapprocher et lancer une attaque magique sur Rin. Très bizarre, la façon dont je parle. Peut-être que je mette un bouclier sur Rin. Ah non, putain, c'est échoué. Elle lance une boule de feu avec son bâton. La boule de feu te passe complètement au-dessus de la tête, Rin. C'est moi ou les pyromanciennes sont toujours aussi utiles? Non mais... Tatori. Bon... d'un côté, Ringo qui est planté. D'un autre côté, Rin qui est un peu toute seule. C'est un peu compliqué de choisir le côté. Bon, après, si on se débarrasse vite des gens à droite, on pourra s'occuper des gens à gauche. Donc c'est compliqué. Je te rappelle qu'il y a un mur d'un côté et Rin de l'autre. C'est vrai. Donc je vais m'avancer un peu et je vais lancer une attaque magique. Bon, sur lui, hein, tant qu'à faire. Ça passe. Ça passe et le garde n'esquive pas, il ne te voyait pas. Ok. Ah oui, vas-y, fais tes jets de dégâts. Ah bah. Voilà. Dégâts minimum, forcément. Au moins, t'auras tenté. Ringo, je te réponds directement. Oui, t'es empalé, donc soit donc tu passeras. Enfin, tu peux attaquer, mais de toute façon tu pourras pas te déplacer pendant ce tour. Enfin, du coup, tu peux faire une attaque magique. Je vais faire une attaque physique de toute façon, je mets un peu de force. Ouais, vas-y, Rin. Est-ce qu'on a un outil de mesure d'angle sur Roll20? Non. Bon, ça fait à peu près 80-586 degrés, on va dire. Non, parce que... Ça fait pli, voilà. C'est plutôt la température de son feu qui sera... Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, t'as lu dans mes pensées. Non, c'est pas toi qui s'occupe de ça. Ouais, parce que du coup, je pense que est-ce que mon cône de feu sera suffisamment grand pour toucher avec la magicienne aussi, en plus des deux gardes? Ça va être un peu limité la position. C'est limite, mais non, elle est trop loin. Voilà. Alors du coup, je vais regarder le garde qui est devant moi. Je vais sortir une spell card de ma manche. Et je vais le regarder. Je vais lui dire: vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire ça? Oui. C'est pas à vous que je destinais cette spell card. Enfin, je destinais à un personnage en particulier, à vrai dire. Mais bon. Signe divin du feu purificateur. Merde, j'ai oublié. Ah, voilà. C'est Rin, et tout le monde, ça se fait le cas dans le truc. C'est le divin du soleil, tu peux tout à l'heure. Attends, merde, j'ai oublié. Alors, attends. En même temps, vous pouvez voir Rin n'est pas. Rin n'est pas enchanté à l'idée de l'utiliser, quoi. Placer ce monstre en position d'attaque. Une fois mis sur le terrain. Signe divin du feu purificateur, aperçu du purgatoire. Oh. Fancy. Nul à chier les dégâts. Ah ouais. Je crois que vous me faites que dégâts minimum depuis tout à l'heure. Sugimoto. Alors non, pas Sugimoto. Sugimoto. 3 points d'histoire.
3 sur 2 plus 1. Ouais, non, attends, ouais, ça, non, c'est ça. Ça fait. Ah ouais, c'est juste une magie de merde. Par contre, aperçu du purgatory. Ah ouais, tiens. Purgato. Ah, du purgatory. Alors, effectivement, donc tu actives finalement ta spell card qui déclenche donc un cône de flamme qui s'étend donc sur les deux gardes qui sont en face de toi. Mais celui-ci, vu que t'as pu pour une fois le regarder, celui-là, vu qu'il avait perdu sa capuche, eh bien, tu as pu voir dans son regard qu'il était déterminé, qu'il n'allait pas se laisser faire, et il se décale, il esquive l'attaque, mais pas lui. Lui, il a rien vu venir, par contre. lui, il se prend l'attaque. Bon, après, ça fait pas très mal. Bah surtout, bon, la vue qu'ils sont quand même hostiles directement, ils sont peut-être plus considérés comme maléfiques, mais enfin, bon, est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme maléfiques? C'est pas. On va tout voir. Sugimoto, je vais juste te demander quelle est ta prochaine cible. Pourquoi tout de suite? Non, plus sérieusement, je voulais savoir si les deux étaient concentrés sur moi ou si il y a l'un des deux qui était encore concentré sur Ingo. Bah, on va voir ça. Alors, est-ce qu'ils sont concentrés? Je pense que oui. Ensuite, est-ce qu'ils ont envie de t'attaquer? Je sais pas. Alors, celui-là, il t'a vu, mais bah, il doit aller récupérer sa lance sur Ingo, donc il te regarde pas. Par contre, lui qui s'est pris le revers de la boule de feu, il te regarde. Donc, ça veut dire que je peux taper le premier assez facilement. Enfin, oui, tu supposes. Ouais. Lâche. Enfin, ouais. Est-ce que... Ah, c'est Varouka qui dit ça. Bah, après, je suis pas. Enfin, le laisser encore se rapprocher de Ringo, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Hein. Ouais, j'aimerais le retenir principalement. Bon, après, si ça peut compter pour une attaque physique, tant mieux. Hein. Je veux dire, un bon coup de bouclier, ça a toujours empêché quelqu'un de passer. Alors, pour le coup, si tu lui fais, si tu lui fais un coup de bouclier, ça comptera comme une, ça comptera comme le ralentir en plus de lui faire mal. Allez, un classique, une attaque physique classique. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Classique avec toi, ça peut durer. Ouais, tu prends un public en langue! Non, c'est bon, ça passe. Tout va bien. Tu vas finir avec un bouclier en plus dans la tronche. Tout va bien. Et donc, effectivement, tu mets ton bouclier devant toi, tu te décales sur le garde, tu lui fais coucou, et BAM! Tu lui donnes un gros coup de bouclier en face, vas-y, tu peux me faire tes jets de dégâts. Non, mais... et donc tu l'envoies valdinguer en arrière lui aussi. Tout le monde fait dégâts minimum sauf Sugimoto. Moi je l'ai pas touché. C'est bon, je m'occupe de ce front là, vous pouvez vous occuper. Enfin, j'aimerais bien bouger moi. Varouska. Oui, vas-y. J'ai le droit à une action pour parler. Je vais le regarder et dire petit rappel, pas de code cassé pour ceux qui abandonnent le combat. D'accord, vas-y Varouska. Je demande à Rin si elle a besoin d'une protection. C'est moi la protection. Bah par contre, je suis pas vraiment offensive, tu le sais bien. Ouais, donc est-ce que t'as besoin d'un bouclier ou pas? Alors, le temps que tu dis ça, Varouska, Rin est déjà submergé d'attaques de lance et de boules de feu. Oui, vas-y. Donc, je vais faire ça. J'ai besoin de prendre 5 mana dans la réserve, ça va?
Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait pas mal, mais bon. Bon, alors, mais c'est de la def ou de la. C'est, en fait, ça te protège de tout dégât sur le prochain coup que tu prends. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est un peu comme mon armure. Ouais. C'est exactement comme ton armure. Ouais. Oui, sauf qu'il peut le lancer en combat. C'est un peu. Donc, ah, bah, du coup, vas-y, Varushka, tu me lances ta compétence. Ok, alors c'est bouclier déployant. D'ailleurs, juste pour qu'on soit au courant, on peut faire un tour de l'état physique de chacun. De vous? Oui, de nous. Style Ringo, à quel point elle est mal en point, et Rin. Ouais, alors, j'ai une lance, ça va, hein, sinon j'ai une lance dans l'épaule, mais ça va. Alors, Rin s'est pris un violent coup de lance, donc qu'il a encastré, qu'il a empalé dans le mur, mais... Ringo, ok, ouais. C'est pas comme ce qui était arrivé à Rin, qui connaît aussi le fait d'être empalé par une lance. Je veux dire, bon, Ringo, ça va. Enfin, ça va aussi. Je veux dire, pour une personne qui s'est fait empaler, ça va, on va dire. elle a tenu le choc et elle pourrait peut-être en tenir un autre. Ok. Rin est full vie. Bon. Voilà, Rin est impeccable, elle gère pour l'instant ce combat. Varushka, tu gères ce combat en même temps, tu restes à 10 km. toi, Sugimoto, bon, disons que ça va aussi, c'est plus toi qui fais mal que les ennemis qui te le font. Je te le fais pas dire. Et bon, bah là, Satori, toi aussi. Bah, les seuls deux gagnants du prix, c'est laissé de moi-même, donc. Comme Varushka, tu es éloigné, donc ça va très bien. Et au niveau des ennemis, bon, il y a beaucoup plus de dégâts sur ce front-là que sur celui-là. Désolé. Ouais, tu viens de te prendre une balle dans le dos. J'ai connu ça, ouais, ça fait pas bien, ça fait pas du bien. Et donc, un allié, Alice, oui, comme le département, je suppose. Ah oui, non, attends, j'ai foiré. Et donc, effectivement, Rin, tu es protégé. Après Rin, voici Ringo. Honnêtement, si Sugimoto se charge d'attaquer... limite lancer un fumigène pour qu'ils évitent de la taper en retour. Oui, alors je précise que ce que tu peux faire, je peux même t'autoriser ça, c'est tu peux t'enlever la lance avec un jet de force pour la retirer, et comme ça tu peux te déplacer après. Ah, oui. Ça compte comme une action ou pas? Non, c'est, je vais compter ça comme action bonus. D'accord. Ah, oh, c'est quoi? C'est combien déjà si on a 5? 50? 50. Okay. T'as juste à rajouter un 0 derrière, à chaque fois. Je savais plus si c'était un truc ou si c'était... Ah, ah, j'ai vécu ça, t'inquiète. C'est dommage, tu retires la lance, mais elle, malheureusement, elle partira pas ce tour-ci. Est-ce que je peux lancer un fumigène quand même? Tu peux, en voyant que tu vas pas réussir à retirer la lance immédiatement, tu peux prendre avec une autre main ton fumigène et le lancer. Oula! Ah, oula! Oula! Ça a bugué! Un seul, ça suffit! Non, bah. Alors, malheureusement. Encore de deux, c'était une blague! Alors, malheureusement pour toi, c'est le premier jet qui compte, donc... donc, c'est raté. Donc, tu crées de la fumée, mais bon, bah, c'est beaucoup trop épars pour... C'est beaucoup trop épars pour que ça puisse gêner la vue de qui que ce soit. C'est pas plus mal, parce que ça aurait obturé la vue de Sugimoto en retour. C'est pour monter l'ambiance discothèque. Alors, en parlant d'ennemis qui vont peut-être t'attaquer parce qu'ils te voient et vont t'attaquer, celui-ci donc s'approche et
lance une attaque que tu peux évidemment tenter d'esquiver, bien évidemment. Grand réussite. Donc tu dévis toujours avec ton bouclier. Hein, tu dévis sa lance avec ton bouclier. Bon, celui-là n'a plus de lance. Ce qu'il fait, c'est que il va essayer de contourner. Peut-être qu'elle ne me verra pas. Je ne peux pas le faire autant. Oh, si, je peux le faire. Il essaye de te contourner. De côté de Dorine, ce pyromancier, oui, bien sûr. Le milicien, donc, qui esquivait ton attaque, il va se rapprocher de toi à nouveau pour attenter une attaque physique à ta personne. L'attaquer, quoi. Oui. Mm-hmm. Vas-y, c'est un truc que j'ai vraiment fait. Ouais, moi aussi, je me le suis. Très beau, toujours avec ta grâce légendaire de Kirin, tu esquives l'attaque du lancier qui commence à être très agacé. Hein. Celui-ci, moins agacé, mais quand même un peu embêté que tu lui aies craché du feu, va aussi s'approcher vers l'avant et à tenter lui aussi une attaque physique à ta personne. Et ça passe. C'est à ton tour d'esquiver l'attaque. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, cette Kirin qui finalement rend hommage à, comme disait Ringo, le dance floor, en esquivant toutes les attaques. Les lances piquent dans ta direction, mais tu esquives tout. Tu fais des petits mouvements pour esquiver les lances. C'est magnifique! La pyromancienne de ce côté, elle va avancer, se décaler un peu pour tenter son attaque magique. Ça passe, vas-y, nous déçois pas, Rin. Puis elle a son bouclier. Ah là 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 là, que c'est dommage pour le joueur céleste, enfin ou le joueur divin, enfin le joueur Kirin quoi, et qui ne parvient pas à esquiver la boule de feu, mais le bouclier de Varushka le protège de tout dégât. Donc tu prends cette attaque que tu n'avais pas vu venir, la pyromancienne est passée derrière les gardes, tu t'es concentré sur eux, donc tu t'es pris la boule de feu, mais le bouclier t'a protégé. Cette pyromancienne-là donc se relève, titubante, mais non. Elle va pas se laisser avoir, jusqu'au bout qu'on lui a dit. Tu peux lui faire un jet de mental, s'il te plaît. Pour la tête. Ouais, le truc, c'est que... Bah, surtout pas, que là, il n'y a plus Shiwatsu pour lui faire le contrôle mental. Non, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Juste qu'elle soit bien consciente que si jamais je la repère, elle fera pas la même erreur deux fois. Putain, mais c'est pour ça que je veux pas faire de... Putain. C'est pour ça que je veux pas faire de jets qui servent à rien. Bon bah tant pis, hein, écoute. Elle a fait un succès critique. Ouais, c'est des coups. Écoute, tant pis, elle te lance une boule de feu, dégâts max, voilà. Esquive. Okay, esquive la balle. Oui. Voilà. Il a esquivé. Donc non, Sugimoto. Elle ne compte pas se rendre, ok? Ok, d'accord. Et même si tu as esquivé, t'as senti toute la rage dans la boule de feu. Ouais, je suis bien contente de ne pas avoir remis d'explosifs sur le bouclier, sinon ça m'aurait projeté en arrière. Ok, Satori. Ça me fait chier parce que je ne peux pas faire grand chose à part des attaques magiques.
Ouais, bah je vais continuer de lancer des attaques magiques sur lui, quoi. Tu peux faire des attaques physiques. Oui, bien sûr, non mais... Ça passe. Ouais, non mais c'est bien, c'est une attaque parfaitement... parfaitement normal, parfaitement légal, que le milicien n'esquive pas. Donc tu peux me faire tes jets de dégâts. Merde, il faut sectionner d'abord. Donc un peu désabusé, tu lances ton attaque magique avec vraiment mais le minimum de puissance dedans. Tu te dis que bon, je vais faire une petite assistance, mais bon, les deux autres ont l'air de très bien se débrouiller finalement. Ouais, enfin. vas-y, Rin, montre-moi ce que tu fais. Alors, arrête de briller déjà. Non, je regarde en termes de rayons. tu n'es pas Toyo Satomini, hein, tu ne brilles pas comme ça. Non, j'aurais voulu. Je me demandais, est-ce que je pouvais utiliser mon pouvoir de la terre ou de l'air pour renverser les gens et les empêcher d'esquiver. Oui. Tu peux. Je sais pas vraiment alors... si j'ai accès au pouvoir de la terre dans. Dans ce vaisseau. J'ai considéré que c'est de la terre magique. Non, ou sinon, enfin, vu que c'est du métal, tu sais, le minerai, ça fait aussi partie de la terre. J'ai considéré que tu peux. Alors, est-ce que tu veux juste réduire les esquives ou vraiment les empêcher d'esquiver? Ah bah c'est les faire tomber à l'envers, ce que je voulais à la base. Oui, alors ils se releveront à leur tour. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'idée. Dans ce cas, ok, je vais te demander quand même... Quitte à ce que ça prenne mon action de déplacement aussi, comme ça je vais pas me déplacer. Alors non, ça va pas prendre ton action de déplacement, mais je vais te demander... une amplitude 50. Ça va te coûter. On va dire. 3 mana. Alors attends, ça fait combien sur le jet par contre? Alors normalement, ça équivaut à. Un moins. Moins 20. Ouais, ça doit faire un moins 25, donc tu serais sur du 60... Non. Sur du 55. Ouais. Sur du 55. Non, sur du 65. 65. Ah oui, c'est 90 de base. Oui. Et ça marche. J'ai fait sur 50, hein, du coup. T'as fait sur 5... Donc non, oui, c'est 20. Ah bah oui, parce que le 10, c'est 90, donc c'est 70. Donc non, tu vois, ça passe. Donc tu t'enlèves la mana si c'était pas déjà fait. C'est et fait. Tu parviens à extraire la puissance de la terre, même si tu es dans les airs, dans un vaisseau métallique. Finalement, tu trouves le moyen d'aller puiser la puissance de la terre pour. figer un petit peu les ennemis, bloquer leur mouvement et ça les empêchera du coup d'esquiver pour ce tour. Sugimoto. Esther, tu m'étais... Ok. Moi, ce que je vais faire... Alors... Les règles pour attaquer du coup plusieurs ennemis avec une seule attaque, c'est 2 mana et moins 5 de précision par ennemi supplémentaire, c'est ça? Oui. D'accord. Alors ce que je vais faire, enfin, vous voyez les gens qui font de la pub, tu sais, qui portent des pancartes et qui jonglent avec. J'aime bien comment t'as déjà pigé. Je vais faire ça avec mon bouclier pour attaquer les deux. La pancarte.
Ok, la porte. T'as gagné. Ok, bah tu peux, pas de problème. À part le fait que tu n'es plus de mana. Et voilà, c'est bien sûr, mes deux vaillants, enfin mes quelques vaillants compagnons veulent bien me laisser taper. La dernière fois du combat promis, car après je vois qu'elle descend vachement. Oui, c'est bon. Pas d'objection. Bon bah c'est parti alors. Du coup, comment que ça se passe avec l'attaque physique ? Je lance la macro attaque physique, c'est ça ? Tu lances la macro attaque physique, donc c'est corps à corps. Donc bon, la distance, la portée, ça change pas, et tu mets juste du coup ton nombre de cibles, et du coup, et 2, si j'ai bien compris. Évidemment. Donc 1 PM seulement. C'est ça, tu ne retires qu'un seul PM. Confiante dans tes actions après avoir si bien maîtrisé tes ennemis, tu décides encore une fois de prendre ton bouclier. Dis donc, tu fais beaucoup de choses avec ton bouclier ces temps-ci. Tu décides donc de prendre ton bouclier pour essayer de... de faucher les gardes qui t'entourent. Faudrait peut-être un peu plus d'entraînement, hein. Là, le bouclier, il est parti un peu en l'air, tu l'as toujours, mais voilà, hein, t'as complètement manqué ton attaque. Bon, ça fait un peu pour regarde, quand même. ok, Varushka. Là, je sais pas trop quoi faire, là, pour le coup. Alors, tu peux faire quelque chose qui s'appelle attaquer. Oui, non, mais à part ça. À taper les deux ennemis qui sont immobiles et donc ils peuvent pas esquiver aussi. Ouais, précision absolue, ça coûte cher quand même. Tu peux faire une attaque normale. Tu peux aussi faire une attaque normale. Ouais, Varushka, t'as déjà pas de malus de distance et les ennemis peuvent pas esquiver. Oui, bah, c'est justement pour ça, je veux pas rater mon jet, mais bon, ouais, je vais faire ça. Fais la macro pour taper deux ennemis à la fois. Ouais, je vais faire ça, allez. Tu fais un double tir, tu sais. Je vais faire ça. Et la deuxième cartouche dans ta main, tu tires, clinch, 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 punch. Donc, portée, 1, cible, 2. Voilà, ça passe. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur ta macro. Parce que celle il y a un petit macro, il y a un petit problème, oui. Celle de Germain, elle a bien marché. J'utilise celle qui est en bas, dans la barre, pourtant. Ah, bon, c'est pas grave, ça passe, ils peuvent pas esquiver, donc tu me fais directement tes jets de dégâts, t'en fais 2 du coup, hein. Dégâts physiques de base... Ok, donc tu visais les deux lanciers. Ouais. Ok, donc... tu voulais pas viser oui, ça. Ok, d'accord. Ringo, tu enlèves la lance. Enfin. Est-ce que c'est lequel que Sugimoto a tapé tout à l'heure ? Avant j'ai tapé celui-là. Et la boule de feu a atteint celui-là. Et exactement. J'ai beaucoup tapé celle-ci. Alors, du coup, oui, c'est, tu as tapé celui-là aussi, Sugimoto. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Bah, je vais attaquer magiquement celui-là. D'accord, bah, pas de problème, tu peux. Distance, combien ? 2-2, il s'est rapproché assez. Au pire, tu peux te rapprocher. Ça passe. Encore ? Non, mais ça passe. C'est la troisième fois ! Ça passe, c'est sur 80. Ah bon, ça passe ? Y a un problème dans la macro. Oh, j'ai cru que ça allait être la troisième fois, j'ai eu trop peur. Ouais, un problème dans la macro qui fait qu'il est à un moins 5, mais c'est bien sur 85, donc ça passe. T'as dû rentrer 2 sans faire gaffe dans portée. Peut-être. Plutôt que 1. Et il n'esquive pas l'attaque, donc tu lances ton projectile un peu
un peu en titubant, après avoir réussi à enlever la lance, tu balances directement ton attaque. Et mais par contre, c'est une attaque qui fait pas mal de dégâts. Et tu lui fais beaucoup de dégâts. Hein, tu sens qu'il est pas taillé pour le combat magique. Bah d'ailleurs, c'est à lui de réagir. Bon, il va te foncer dessus et essayer de te prendre la lance des mains. Donc, vous allez faire un jet de force en opposition. Ah, oh, super. C'est facilement. Je fais juste un descend, du coup. Mmh. Tu fais un descend, t'as combien de force, toi, déjà? 5. T'as 5 de force, donc tu peux faire un... Sinon, tu peux faire un descend sur, en indiquant le seuil, même si là, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Oula, c'est faux, mais il est plus proche de sa réussite, donc il parvient à prendre la lance de tes mains. Alors, est-ce que je lui autorise à attaquer dans le même tour ? Ouais, allez. Dans la mesure où il a fait un échec, bon, tu me diras, Ringo a fait un... Enfin oui, ça, dans la mesure où il a fait un échec dans l'absolu, sur son jet de force. Ouais, j'aurais dit qu'il a dû prendre son tour pour reprendre la lance, mais bon. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, donc tu peux esquiver. Je sais plus, esquiver c'est indécent, oui. Oui, oui. Toujours, ça va rien changer, pas changer. Plus, je veux dire, il doit se dépêcher, attends, il a la pression là dans son dos, il y a un putain de nid avec un putain de bouclier. En fait, vu qu'il vient de prendre la lance, ce qu'il essaye de faire, c'est après de pivoter pour donner un coup avec le manche de la lance, ce qui réussit, et donc tu te prends le coup, qui, bon, fait pas tant de dégâts que ça, après tout, il vient de la reprendre. Ouais, je vais peut-être me soigner au prochain tour quand même. Celui-là te regarde, Sugimoto. J'espère que ma pub vous a plu. Non, je dis pas ça en RP. Je suis encore en train de reprendre mon équilibre. Il me regarde, tu me regardes. Il va essayer de profiter du fait que t'as pu ton bouclier. Oula. Je disais justement qu'il allait essayer de profiter du fait que t'avais pas ton bouclier en position de défense parce que t'étais en train de le faire valdinguer. Il en a un peu trop profité peut-être à ton goût.